Le parc national de Komodo est composé de 5 îles, les seules îles dans le monde où l'on peut voir les dragons de Komodo. Deux principales îles, les îles Rinca et les îles Komodo, sont situées à quelques encablures de l'île de Flores. Nous nous rendons d'abord sur l'île de Pulo Padar qui présente un point de vue exceptionnel. Ces îles sont toutes situées en face de la plus grande ville de Flores, Labuan Bajo. Ah, ça pique ce matin, départ pour les îles Komodo. Voilà, il est 5h30. Ça pique un peu les yeux. Je crois qu'on ne peut rêver mieux comme paysage. J'ai rarement vu aussi beau en tant que paysage marin. La rando s'accreuse, un petit lunch sur le bateau s'impose. Et l'on reprend le bateau ensuite pour se rendre sur l'île de Rinca. Nous arrivons à Pink Beach. Pink du nom de la couleur du sable et dû en fait à des micro-algues incrustées dans le sable de corail. C'est splendide. Et on est tout seul. Autour de ces îles, l'eau est cristalline. Après environ une demi-heure de bateau, nous arrivons au débarcadère qui nous conduit au parc national de Komodo. Dès l'entrée du parc, nous sommes surpris par la quantité de varans présents autour des maisons des rangers. Le dragon de Komodo. Les dragons se nourrissent essentiellement de buffles, de chèvres ou de singes. Ils attaquent par surprise leur proie, la mordent, lui injectent des anticoagulants et des bactéries. Petit à petit, la proie va mourir et les dragons vont la retrouver pour la dévorer. Après cette riche journée, nous retournons vers le port de Labuan Bajo. Le soir venu, nous apprécions de manger un bon poisson grillé au barbecue sur le port. Dès le lendemain, direction les chutes de Cancou à Flores. Nous y allons en scooter sur une route qui est défoncée à plus de 1h30 de Labuan Bajo. Mais le spectacle en vaut largement la peine. De plus, nous sommes tout seuls pour profiter de cette immense piscine. Et pour clore cette belle journée, j'ai été invité à boire un bon café local chez le guide.